pour augmenter la résilience alimentaire des villes urbaines, on a construit une stratégie alimentaire avec l'équipe municipale en trois axes. Un axe qui est lié vraiment à tout ce qui est lié à la production, un autre qui est lié à la distribution, et le dernier qui est lié à tout l'aspect culturel, de lien social et d'échange. Dans les projets phares qu'on a dans l'ANDA autour de cette résilience alimentaire, il y a le fait d'ouvrir notre deuxième espace d'agriculture urbaine, de production alimentaire maraîchère biodiversifiée intramuros, on va dire, dans la ville. Il y a le fait de poursuivre notre travail de développement d'achat avec la cuisine centrale de Villeurbanne qui fournit plus de 8000 repas presque buffés par jour à tous les Villeurbanais et Villeurbanaises, majoritairement à mes enfants qui sont dans les cantines scolaires, via le gros levier de la commande publique pour nos achats du coup. Et l'idée, c'est d'atteindre les 100% d'achats bio et locaux d'ici maintenant 4 ans.